Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. On est proche des 4000 abonnés, donc si on peut les atteindre rapidement, ce serait perfecto. J'avais, avant de commencer cette vidéo, une petite requête. Alors, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'en ai très envie. Alors, est-ce que vous allez m'aider dans cette petite tâche? Enfin, je voulais vraiment investir et être vraiment très très présent sur Twitch pour vraiment avoir une bonne base. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là je lance de temps en temps des lives sur Twitch, mais c'est vrai que c'est assez anonyme entre guillemets, je partage que sur mon Snap et je suis pas investi à 100% sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me dire, puisque si je m'investis, voilà, j'aimerais qu'il y ait des personnes quand même qui me suivent sur Twitch, puisque si je vais faire des lives, que vous me dites de faire des lives et qu'au final vous ne serez pas dessus, ça va un peu servir à rien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse du Twitch, donc des vidéos, comment dire, des lives achat-revente, des lives de gameplay. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti pour la petite tech. Donc là, vous allez voir que j'ai pu obtenir déjà dans un premier temps 6 joueurs à aller vendre plus cher. Donc je vais vous montrer ça dès maintenant. En fait, bon, la tech marchait avant que le SBC sorte, mais ils viennent de sortir un SBC où il vous faudra tout simplement faire ce SBC plusieurs fois pour avoir des récompenses. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est renfort 80+. Et en fait, dans le renfort 80+, il vous faudra tout simplement des joueurs minimum argent. Donc que ce soit commun ou que ce soit rare. Mais la plupart des personnes ne vont pas s'embêter à choisir commun ou argent rare. Ils vont mettre dans la recherche argent et ils vont acheter tout simplement. Donc les objectifs à faire, ils sont ici. Ils viennent de sortir. Hein, c'est. Attendez. Là. Là, voilà. Il faudra faire 100, 100 SBC. Donc, vous avez 89 jours, donc vous avez largement le temps. Mais il faudra faire 100 fois ces SBC. Donc, voilà pourquoi les joueurs rares, argent rare, pardon, vont se vendre très rapidement. Donc, je suis désolé, je viens de rentrer. J'ai passé un week-end de folie. Donc, je viens de rentrer, je claque une vidéo. Hop, je suis super fatigué. Donc, on va mettre 350. Vous voyez, rien du tout. 400, il y en a très très peu. Et donc, ça va se vendre à 450 crédits. Donc, ce que vous allez faire tout simplement, vous voyez, 450 et encore, on peut même les mettre à 500. Donc, mais je préfère pas, en fait, miser au-dessus de 300 crédits parce que si les prix baissent, au final, vous n'allez pas réussir à les vendre. Donc, vous allez mettre 300 tout simplement et vous allez choper tout ce que vous pouvez dans la liste. Donc vous pouvez prendre les premières pages. Alors après, il n'y a pas que vous qui ferez la tech. Donc les premières pages aussi vont se vider. Il y aura pas mal de personnes qui vont miser. Donc si vous voulez vraiment avoir toutes vos cartes, vous allez dans les. Vous voyez, vous allez plus loin et vous prenez tout simplement tout ce que vous pouvez trouver en argent rare. Vous mettez bien argent rare. Donc là, de temps en temps, vous allez pouvoir en obtenir. Donc là, 350, c'est pas intéressant. Vous allez pouvoir en obtenir en tech 59, et c'est vrai qu'avec la réinitialisation des filtres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous misez 300 et vous allez les vendre. Donc c'était 400, 450, je crois. Attendez, je vérifie. 400, il y en a deux. Ouais, donc 450, ça va partir directement. Je vais faire ça. Donc là, vous voyez, il y a des joueurs que j'ai pas eu, mais bon, c'est. Voilà, c'est comme ça. Vous allez en obtenir pas mal quand même. Donc là, vous voyez, tous ces joueurs vont se revendre vraiment dans pas beaucoup de temps. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Au final, c'est de la tech que tout le monde peut faire. Et puis, tu lances tes matchs et en attendant, tu mets ta pile. Moi, je te conseille une pile à 100. Alors après, c'est comme vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est plus rentable quand même une pile à 100. Mais au final, c'est pas un achat-revente compliqué. C'est un achat-revente qui est simple. Et au final, tu te fais des bénéfices en lançant les matchs, en ne faisant presque rien. Donc c'est super intéressant de ce point de vue. Alors vous allez voir, normalement, ça va partir très vite. Ça part vraiment instant. 400, 450. Normalement, ouais. Vous voyez en haut, je pense pas que c'est. Voilà. 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 Voilà, les amis. Voilà. Lui, il va partir normalement. Voilà. Et je. J'ai même plus à commenter la vidéo, je vous dis juste que comment ça fonctionne. Voilà. Au final, 450 crédits, là on s'est fait 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 crédits. 900 crédits, la vidéo elle dure depuis 4 minutes. Je me suis fait 900 crédits en instant en fait. J'ai juste à attendre le temps et j'ai juste revendu. Voilà, donc voilà, c'est ultra rentable. Vous voyez en plus en direct. Alors là, je vous dis, voilà, foncez. Là, il va se vendre. Voilà. Voilà quoi, vraiment foncez, c'est de la tech qui est pas très très compliquée, et puis vous n'avez pas besoin d'énormément de crédit, je vous dis. Au final, vous faites un premier joueur, vous avez 450, vous en achetez un, vous avez 600, vous en achetez deux, vous en achetez trois, vous en achetez quatre. Au final, même quand tu n'as aucun crédit, tu peux vraiment te faire de l'achat-revente comme ça, et ça peut vraiment être super intéressant pour toi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, c'est théorique. Salut la team!